Donc maintenant, on va créer la fenêtre, une fenêtre principale. Je vais aller dans fenêtre, barre de message, et je vais activer la barre de message. Donc on continue. Et voici la barre de message. Si je clique ici, c'est bien date et je vais mettre date ici. Par exemple, hop. Et je vais mettre ici. Par exemple, add message d'aide et je valide. Donc, comme ça, j'ai déplacé être en première colonne. Et je valide. Donc, je vais créer le menu. Ajouter après. Donc, les liens. Après, fournisseur. Après, c'est règlement. On va ajouter d'autres choses par le temps. Donc c'est ajouter un nouveau client et liste des clients. Fournisseur. Ajouter un nouveau fournisseur. Ajouter
fiche client. Ah, je valide. Table client. Je valide. On va tester ensemble. Client. Liste. J'ai inversé client par liste des clients. Donc ça marche.